Projection de films, rencontres avec des cinéastes, débats et ateliers, voici entre autres les activités qui ont meublé les journées du cinéma francophone du 27 au 28 mars 2024. Au cours de cette plateforme, la richesse linguistique, culturelle et cinématographique des pays francophones a été célébrée. De la comédie au drame, du documentaire à la fiction, chaque genre et chaque thématique sont représentés, reflétant la pluralité des cultures et des réalités francophones. Alors nous avons le cinéma français, nous avons le cinéma belge, le cinéma ivoirien. Et donc ça permet de voir que nous avons nos accents différents, nous avons nos personnalités différentes. Et donc nous avons nos cultures en fait qui sont tout à fait diverses, mais qui peuvent aussi se mélanger au sein du cinéma francophone. Et c'est une bonne occasion de montrer combien nous sommes en fait tous assis à la même table et nous pouvons ensemble partager beaucoup de choses. À travers le cinéma, nous avons un ensemble de métiers qui y sont liés, et c'est l'occasion également de mettre en valeur tout ce qui se fait dans l'expression française. Les journées du cinéma francophone sont également l'occasion de mettre en avant des talents émergents ainsi que des œuvres audacieuses et engagées. C'est un plaisir pour moi de participer à cette journée culturelle et cette journée-là francophone, sachant que nous ne sommes pas limités par nos frontières, que nous rassemblons spécialement au mois de mars pour célébrer cette union. Les journées du cinéma francophone interviennent dans le cadre des festivités de la Francophonie 2024.